Et y a pas long, c'est super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Palia. Et aujourd'hui on continue notre petite aventure. Donc la dernière fois nous en étions arrêtés ici. Ok, donc on va récupérer déjà nos petits champlains. Offrez 5 cadeaux. Donc on devait offrir des cadeaux. On va récupérer des pièces d'or. On lui, comme lui, voilà. Ok, donc on doit offrir 5 cadeaux. J'ai dans mon inventaire qui pourrait être pas mal. On va voir dans mon coffre. Si j'ai pas quelque chose qui pourrait l'intéresser, en vrai, je peux leur donner ça. Peut-être des fleurs. Ouais, peut-être des fleurs aux habitants, ça pourrait peut-être leur faire plaisir en vrai. Acheter le sac à dos et lingerie de Zeki au magasin général. Eh bien, on va acheter le sac à dos de Zeki au magasin général. Alors, si vous voulez qu'on achète le sac à dos, rien, on va acheter le sac à dos. Bien, pas de soucis. Bah oui, sans soucis, bien entendu. Tout, quelques petits chargements qui font plaisir. Oui. Bien sûr, le chargement qui m'est disant, étant donné que c'est une bêta. Ok. Toc, 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 toc. Alors, on va aller voir déjà. Ok, donc on va aller parler de là-bas. On a un truc à y discuter, donc on va y aller, bien entendu, hein, voilà, on va pas aller sans priver, hein, bah non, bah non, bah pourquoi on s'en priverait, hein, tu me le dis, bah non, ouais, bon, allez, hop, on y est, donc il est en haut. Toc, 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 Oh non, me dis pas qu'il dort. Ouais, si, c'est bien là. Magasin général. Ah, ok, il dort lui. Bon, on va le laisser dormir. C'est pas grave, on va le laisser dormir. On va aller discuter avec Jean. Donc, on va offrir aussi au passage un petit cadeau. Wow, incroyable. Regardez, ils ont des tenues. Maman. On va s'équiper, bien entendu, de notre petit arc. Ok, il y en a qui pêchent tranquillou, gilou. Il y a une bestiole. Ouais, je l'ai eu. J'ai pas perdu mon chou, il est en double point. Ah ouais, non, ah non, je l'ai pas perdu. Comment je l'ai eu de là-bas? Mais what the fuck, man? Hop, bien entendu, s'équiper de ça pour les insectes. J'ai quasiment plus de fumigène. Faut que je fasse gaffe. Hop, voilà. Ok, on va reprendre l'arc. La personne, elle est là-bas. Donc, on va y aller directement. Et oui. Tout, 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 tout. Hop, la madame, elle est assise. Ginato, voilà, parfait. J'ai commencé à croire que j'avais rêvé. Ok, je trouve un morceau de statique qui semblait tomber des salles de phonique. C'est bien. D'accord. Ok.
Donc, ok, elle a trouvé un morceau de statue et elle a envie que je la remette, c'est ça? Acheter, enquêter sur le sanctuaire où vous avez été trouvé. Bon, bah d'accord. Vous avez besoin d'une clé de djinn. Ouais. Et tu me la donnes la clé? On va lui offrir ça. Ok, donc elle aime pas les fleurs. Donc on va essayer les papillons. Elle aime pas les papillons non plus. Ça peut-être. Bon, elle n'a pas l'air de kiffer ça, mais. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? On dirait que tu cherches mon attention. Hein, très esthétique. Hein. Ok, une connaissance. Bien. Toi, tu veux quoi? Peut-être ça? Un fragment de bateau. Donc, d'une fleur. Non. Bon, ça n'a pas l'air de lui intéresser mes cadeaux. Mais. Ok, terminer la construction, des tissus, offre 5 cadeaux, enquête sur le sanctuaire, et le sac, ok, sac de Zeki au magasin général. Et où est-ce qu'il est le magasin général? Il est là-bas. Il est vers où? J'arrive pas à voir où il est. Bon. On va bien voir, hein. Il y a peut-être une entrée, quelque chose comme ça. Ah ok, il aime pas l'eau. Ok, donc ils aiment pas l'eau, les personnages. Donc il va falloir que je me souvienne de ça. Ouf. Ok, en une fois, elle devait plus avoir de vie, je pense. Ouais, je vais monter par là. Pas très le choix, je pense. Ah, elle monte pas? Si. Voilà. Hop, let's go. Tout 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 et on va en direction du petit drapeau. Sûrement le sanctuaire. Ouais, c'est ça, c'est le sanctuaire où on a été trouvé. Ok. Qu'est-ce qu'il va y avoir de beau? Ok. D'accord, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Mais ouais, 600 mètres, toujours plus loin les gens. Toujours plus loin, hein, à vrai dire. C'est pas de leur faute qu'ils habitent à des kilomètres, mais c'est pas non plus de la mienne, hein, à vrai dire. Ouais, non, non, je. Non, 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 c'est pas. Non, 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 je. Non, je suis pas d'accord. Je. Oh là, il y a des bugs de texture ici. Ok, d'accord, intéressant. Donc on va aller directement. Est-ce qu'on peut couper par là? J'ai bien l'impression que nous pouvons couper. Donc c'est très bien. Voilà. Si je peux gagner un peu de temps, c'est très très bien. Je vais quand même s'équiper d'un arc.
Hop, ce sera peut-être mieux au cas où. Hop, faut quand même casser un peu de bois au passage. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, ça c'est nickel. Tic, tac, tic. On récupère l'arc. Ok, donc je suis full. Ah, dommage, j'ai pas réussi à l'avoir. Non, dommage. Elle est partie avant. Tu laisses insister sur la voie du chasseur. Si vous avez besoin d'un meilleur équipement, je suis prêt à vous vendre des recettes pour fabriquer du matériel comme le mien, mais n'oubliez pas que les outils ne valent rien si le propriétaire n'a pas de compétences. Ouais, j'ai pas le truc de cuivre, donc. Ouais, on va faire ça, si vous cherchez. Ouais. Ok. Ouais, mais le truc de la. Ouais, non, c'est pas ici. Hop. Ouais, on va aller directement par là, on ira un peu plus vite au moins. Hop, on récupère ça au passage. Voilà. C'est peut-être pas bien évident qui sait que voilà quoi. Nous ne le savons pas, nous ne le saurons probablement jamais. Je ne sais pas. Peut-être pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ouais. En attendant le changement. Ça peut être là-bas, il y a un truc avec la maison. C'est que lui il dort. Maison Zeki. Alors attends. Un peu à la boutique premium ce que nous avons en tout cas c'est incroyable vraiment il y a des tenues ma million vraiment incroyable et on se retrouve bien entendu le lendemain donc de la suite de la vidéo donc que vous venez de voir pour vous ça n'a duré que quelques secondes mais pour moi et eh bien nous avons débloqué ma maison. Donc let's go mon dragon, ça a l'air tellement bon. Je voulais juste passer voir comment les choses se passaient. Je dirais que je n'arrive pas à croire que tu l'aies construit, mais c'est tout à fait vrai. J'avais ce papier peint et ce sol qui traînait et je pensais que vous pouvez l'apprécier. L'hôtel de ville aussi beaucoup d'autres choses à voir avec ta maison. Tu devrais passer dire bonjour à Kenyatta si elle est là. Je suis sûr qu'elle sera enthousiaste. Oh, c'est gentil, dis donc, merci beaucoup. Oh, elle est jolie la maison. Wow. Elle est incroyable. Je sais pas trop c'est quoi. Ouais. Comment on met juste le papier peint? Je l'ai sur moi. Sol en pierre. Pas trop comment on est censé mettre ça. Oh, c'est joli. Ok. Ah, on n'a qu'une partie de la maison? Non. Ah, ça fait qu'un seul mur? Ah ouais? Ça fait bizarre.
non, ok. Oh ouais, ça rend pas mal, ça rend bien. Ça rend bien, bien, bien. Donc on va juste déplacer les quelques meubles que nous avons. On va se mettre le petit lit. Genre, il est là. Ah, mais il est pas. Genre, il est pas. Ah, ils m'ont mis où? Ils m'ont mis mon lit où? Je peux pas. Genre, il y a un petit truc qui gêne. En vrai, je peux le mettre. Même s'il n'est pas collé. Ouais, je vais le mettre là comme ça. Je dois avoir sûrement une table. Une table de chevet, je crois qu'il doit traîner, non? Voilà. Hop. Voilà, on va la placer comme ceci. J'avais aussi. On va déplacer, bien entendu, la petite table basse. On va la mettre. On va se la mettre là. Voilà. Je vais pas prendre la tente au complet, on va prendre la petite table normale. Ouais, je vais la mettre là, comme ça là, la petite table basse et tout, au pire. Par contre, elle est pas centrée par rapport au lit. Voilà, ça c'est Gucci. On va prendre la petite armoire, bien entendu. Je sais pas où je pourrais la mettre. Voilà, là comme ça c'est bon. Ouais, même le. Ah non, ça c'est un truc de pique-nique, on va le laisser. On va prendre la petite chaise. Voilà. Qui est bien entendu autour de la table. On va essayer d'en faire une deuxième. Là, on peut l'ouvrir ça. Non, ça c'est un coffre de décoration. Donc en vrai. En vrai de vrai. En vrai, moi j'aurais bien mis le coffre au pied du lit. Il est pas centré. Voilà. Et genre, je mets la petite table basse. Voilà, tranquillou. Comme ça, bah, tous les coffres, au pire, on les regroupe tous au même endroit. Voilà, hop. Hop. Ça, on peut l'ouvrir. Non, ça, c'est un coffre de trucs. Ça, je peux l'enlever, hein. On va devrait, on peut décrocher. Ça aussi, une petite table de pique-nique. En vrai, on va se la mettre. Ouais, on va la mettre là, focal. Et le coffre à côté des deux autres. Et voilà, on est bien.
On y met très bien. Alors, au niveau des plantes, on va devoir les arroser parce que les pauvres sont en train de mourir. Ils sont là, aidez-moi, s'il vous plaît. On est en train de mourir. Voilà. Hop. Là, on est bien. On va aller voir un peu dans nos boîtes aux lettres ce que nous avons. Ok. On va aller parler avec toi. C'est passionnant. Tu m'as dit que cette petite parcelle terne était en train de refaire une beauté. Il fallait que je vienne voir. Je suis tellement satisfait de vos efforts et que et je vous souhaite de proposer mes services en tant que tailleur après tout votre. Ok. Ouais. Utilisez une garde-robe sur votre parcelle. D'accord. On va. Ouf. Oui, il y a pas mal de. Ah ouais, il y a pas mal de trucs que je n'ai pas. En vrai, qu'est-ce que je pourrais mettre qui pourrait être bien? Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. On va voir un peu le bain. Le bain. Ok. Bon bah voilà, on a changé un peu de tenue. Visiter la quai dans la boutique de Jill. Ok. Alors attends, je vends déjà. Sinon moi j'ai pas des trucs à aller récupérer. Là donc si. Hop. Hop. Est-ce que j'ai des trucs? Là j'ai rien. Je peux mettre ça là. Je peux mettre ça là. Ouais, voilà. Je vais ranger tout ça dans les coffres. Parce que pour le moment, il n'y en a pas besoin. Hop. Hop. On peut le ranger. On peut le ranger. Ça aussi. Ça pareil. Là. Oublié. Est-ce que je peux le mettre dans ma petite machine ou pas? Oui, voilà. Hop, au moins là, on est tranquille. Ah oui, il refaut une hache. Mais est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas? Ouais, il me faut ça et ça. L'arrache. L'arrache. Oui. L'hache rudimentaire. Hop, voilà. Hop, comme ça on est tranquille. Et on peut aller rendre visite aux autres copains. Bon, ouais, mon ami. Si t'es pas bateau, si t'es pas d'accord. Ah, bah, c'est pas mon problème, rien. Qu'est-ce que tu fais que je t'attise, hein? En tout cas, dites-moi si vous appréciez toujours autant ce jeu. Moi, j'apprécie énormément de pouvoir y jouer. C'est un jeu qui est incroyable. Et vraiment, je n'ai rien à redire. Donc voilà, un vrai coup de cœur pour ce jeu. Et j'ai vraiment hâte que la version définitive du jeu, elle sorte pour pouvoir y jouer, pour pouvoir vraiment le jouer, quoi. Voilà. Ouh, y a beaucoup de missions, dis donc, là. Oh, il y en a un, lui, il dort tout le temps. Bon. Donc oui, et j'ai aussi débloqué le planeur. Je l'ai débloqué hier. Donc pendant que bah, j'attendais que ma maison se fasse, bah, je l'ai débloqué. Voilà, j'ai fait la petite mission et tout. Donc rien de bien foufou. Mais voilà quoi. Donc bah oui, hein. Pop, 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 pop. Allez, on va se rendre à la première mission. Double point. Bonsoir. On se la résiste bien. Hein, bah, allez. C'est pas facile de pratiquer une quête en inspectant la terre sur laquelle on met peut-être la recette qui pourrait te faciliter la tâche. C'est quoi la recette? Regardez ce qu'il y a dessus, c'est mieux blessure de gain sur l'histoire. Ok. Et t'as quoi à vendre, mon ami?
Bon, après là, c'est des lingots de fer, il faut pas mal d'or. Oh là. Lingots de pallium. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit le bas? Ça dit qu'il faut que je me dirige là-bas et là-bas, mais on va se diriger déjà au plus près. L'hôtel est en train de dormir, donc on peut malheureusement pas aller là-bas. Voilà, là on peut passer. Ah, elle est en train de. Non, tu rigoles? Ah ouais, en fait, elle dort et je. Ah, le métier à tisser, c'est ça qu'il me faut. Ouais, je vais t'acheter ça. Le lit, je l'ai. Par contre, la chaise confortable, ça, je l'ai pas. Ça, je peux même te la prendre. La table de nuit, pareil. Voilà. Là, après, il faut être niveau 3 et tout. En vrai, de vrai. Oh, four en verre. Oh. Oh. Oh, là, on est bien. Mais non. Non, ça ne sert pas trop à grand-chose. Voilà, je t'ai récupéré quelques plans, madame. Tu vas pas trop te plaindre, hein? Voilà. Donc bon, même si ça te plaît pas, bah c'est pas mon problème en vrai de vrai. Donc ouais. Ah, en plus, on peut discuter avec les gens qui dorment. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Alors, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il faut constamment farmer. Il n'y a pas un moment où tu dis oui, mais non, il faut pas farmer. Non, 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 non. Bah si. Bah si, il faut farmer tout le temps. Niveau 3 mineur. Là. Là, on est bien. Là, vraiment. Vraiment. On est bien. On est bien. Alors, adore toujours. Donc, je casse vite fait les cailloux qui sont là. Là, il n'y en a pas d'autres. Je profite qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs pour tout simplement les farmer. Donc, au moins, je peux être vraiment tranquille, parce que quand il y a beaucoup de joueurs, c'est pas facile. Et c'est pas facile. Non. Elle est dans sa maison, je suppose. Ouais, c'est pas grave, on va quand même aller lui parler, même si elle dort. Voilà, hop, pif. Ouais, merci, merci Rouya, généralement le ciel, je viens de rouler aux yeux, je vais faire tomber la tête, écoute, soit tu m'en aides, soit tu n'en as pas besoin, j'ai des questions. Ouh, elle est très grincheuse la Kenyatta, là. Oh là. Elle est grincheuse. Alors, qu'est-ce que t'as, là? Ça va pas? Visite la caisse enregistreuse de l'hôtel de ville. Ça va pas, madame? Vous. Je sais même plus c'est quoi l'émission. Visite la caisse. La caisse dans la boutique de Jill. La caisse. La boutique de Jill. Caisse enregistreuse de l'hôtel de ville, ça doit être là. Ça doit être là, ça doit. En plus, on a un côté, donc vraiment. Voilà quoi, y a pas mieux. Donc, je dois visiter la caisse enregistreuse. Non, ça c'est là. Si, ça doit être ça. Ouais. Et je dois y faire quoi? Hein? Des cris. Oh! Augmente le premier nombre d'artisans que vous pouvez. Oh, quand même! Oh, ça fait tout petit peu cher quand même!
Et c'est quoi ça le décret? Augmente la valeur de votre maison et visitez les parcelles. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois placer les meubles? Je place des maps, c'est ça? J'en ai pas mis assez? Je sais pas du tout. Ah, ok. Ok, donc bon, je dois quand même mettre des meubles. Alors, on va aller voir un petit peu les différents trucs que j'ai. Là, par contre, c'est ça. Là, c'est bien. Un petit fauteuil pépouze au cas. On est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire même la petite commande, on peut pas la faire. En dehors, on peut se faire une petite chaise avec. Genre, on peut. Alors, il me faudra 35 de bois après. Ok. Mais ouais, on va se faire deux petites chaises et tout. Voilà. Et là, il va me refaloir du bois parce que je sais que j'en ai pas assez. Déjà, je vais faire fondre. Je vais faire fondre tout ça. Voilà, là, comme ça, on est bien. Là, au moins, on est bien. Hop. Et on va aller récupérer ça. Hop, pif. Hop, pif. On récupère ça. On marque comme on l'a. Voilà. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. On va les casser un peu de d'arbres pour récupérer du bois. Stuff. Stuff. Holy. Hop. Et deux. Et trois. Hop. Et merci, Nado. Et un. Et deux. Et trois. Et merci, Lançon. Et un. Et deux. Et trois. Hop. Ça, c'est fait. Et un. Et deux. Et trois. Et 4, et zdrif, et voilà, et 1, et 2, et 3, zdrif, et 1, et 2, et 3, et 4, zdrif, et 1, et 2, et 3, zdrif, et 1, et 2, et 3, zdrif, et 2, et 3, et 4, zdrif. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 4, et on aura passé de planches. À 44, oh, je pense que on en a assez. On va faire la petite. Bah oui, on a assez de bois, oui, pour faire la tombe. Bah voilà, vous avez créé. Et on va placer la petite table que je ne sais même pas où elle est. Est-ce qu'elle est dans mon inventaire? Ah non, elle Ah! Oh, faut que je la mette dehors et tout. Oh, les escrocs. On peut pas la mettre dans la maison? Ah, c'est sérieux? Ah, faut tout mettre dehors comme un schlagos, quoi, comme ça. Et Ah, mais non, mais. Oh là là. Bon, c'est pas grave, au moins, j'aurai deux tables. Ah, au moins, des chaises, on n'est pas en manque. Au moins, si je veux inviter les potes à la compote, là, on est bien. Par contre, les chaises, je sais pas, elles sont pas centrées. Alors attends, on va juste. Ouais, le mec il monte sur la table et tout au calme pour placer des chaises. Ouais, non, le gars, il est comme ça, quoi. Faut pas chercher à comprendre. Genre, on va se mettre le petit fauteuil, la pépouze. On va le mettre
Ouais, on va se le mettre là, tranquille, genre la petite table, comme c'est une table basse, on peut la mettre là. Genre en vrai, on peut se mettre la petite table, genre dehors, une petite déco et tout, au calme air, quoi, voilà, toi-même tu sais, toi-même tu connais, hein, voilà. Ah, ok, il me reste un coffre là, en vrai. Et j'en ai beaucoup quand même de coffres là, rouille. Je savais pas que j'en avais autant. Mais quelle idée d'en avoir fait autant, moi aussi là. Mais je suis fada. Je peux même. Quoi? Je peux. Pardon? Ah, il m'a fait peur le jeu là. Oh. Oh, il m'a fait peur le jeu là, dis donc là. Oh, il m'a fait. Ah oui, il m'a fait une frayeur quand même. Hein. Oh. Oh, ça va pas, dis donc, là, de me faire ça, le jeu, là, non? Vas-y, on va se le placer ici. Deux fois là. Non, c'est ça que je veux. Hop, on va placer le petit coffre. Il est collé, il est collé. Il est bien, comme ça. En vrai, non, on va s'en mettre un dans la maison. Juste pour dire, au moins, d'avoir un coffre dans la maison. Voilà. Hop. Mais ouais, mais comment? Alors, attends. C'est juste cette quête. Augmenter la valeur de votre maison. Quoi, je dois mettre des trucs en plus? C'est ça que tu viens de me dire? C'est ça que tu me dis, rien? Il faut que je mette des trucs en plus. Ok. Bah là, faut que j'arrose tout. Hop. Et une et deux. Bon, il n'y a pas besoin de l'arroser. En fait, on dirait le mec il est en train de pisser sur les plantes, quoi, comment il tient l'arrosoir. Ah, monsieur, vous faites quoi? En plus, c'est même l'eau elle est pas blanche, elle est. Enfin, l'eau elle est blanche, elle est pas bleue. C'est même pas de l'eau, vous faites quoi, monsieur? Oh, rien, rien. Si vous saviez. Non, bah non, non. J'ai pas trop envie de savoir, monsieur, ce que vous faites sur vos plantes. Non. Non, ça ne. C'est pas que ça m'intéresse pas, hein, monsieur. Mais. Non, ça ne m'intéresse pas ce que vous faites avec vos plantes, mon ami. Donc, voilà. Ouais. Bah là, je verrai bien pour la mission parce que je ne comprends pas pourquoi ça me le met. Toko Jina, éviter la caisse dans la boutique de Jill. Jina et Jill. Mais ouais, ça, par contre, Bon, je sais rien pourquoi ça le. Pourquoi ça le fait pas. Ou alors, peut-être qu'il faut que j'aille. Faut que je sorte de la maison. Je non. C'est pas grand chose. Alors, mon inventaire, est-ce qu'il est plein ou pas? Est-ce qu'il est plein comme un boudin? Mon inventaire est quasiment plein. Est-ce qu'il serait peut-être temps déjà de le vider un peu? Hop. L'écrit te permet d'agrandir ton espace résidentiel. Mais comment je m'en sers de ça? Alors, attends. Parce que je sais pas comment je m'en sers. Ça ne m'aide pas trop, mais bon.
Non. Ça m'aide pas trop à savoir comment je dois m'en servir. Bon, déjà, on va mettre ça là-dedans parce que ça me sert à rien d'avoir tout ça sur moi. Hop, hop. Ça, je peux les mettre. Ah non, je peux pas les mettre ensemble. Ok. Bon, bah, on peut aller continuer. Il faudrait que je regarde aussi mon niveau de joueur. Je ne sais même pas combien je suis. Je sais pas du tout. J'en sais foutrement rien. Je dois te l'avouer. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel niveau je suis. Je n'en serai probablement rien du tout. Bon, si je rigole, on va les voir un petit peu. Paf, je suis niveau 9. Ce qui est plutôt pas mal en vrai. Je vais grailler. Poc. Poc. Et poc. Voilà, au moins là. On est bien. Tic, 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 tic. On va aller voir un peu la map. Adoré. Ah, il y a des missions. Pourquoi il brille lui là-bas là? Ah, ok, Gina elle est là-bas. Ah, bah non, bah, de toute façon, il me les affiche. M'affiche directement les quêtes. Donc en vrai, bah, je vais prendre la plus proche. Sans. Bon, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, un moment ou un autre, ça reviendra à la même chose, hein, que je fasse la quête là, ou la quête là-bas, bah, ce sera pareil, donc. Bah, ouais, quoi. Donc, voilà, quoi. Ouais, je la résiste bien, quoi. Vous n'avez pas encore nos ex? Non. À qui je dois faire? Ah, je dois prendre. Ouh, ah! Ah là! Oh! Ah, mais je n'ai pas de minerai de fer. Si? Ouh! Ça, je vais la prendre. Voilà. Et bah, de toute façon, je n'ai pas la pioche. Hein. Je peux pas encore la prendre, la pioche raffinée, donc en vrai de vrai, voilà. Au moins, j'ai appris à faire l'autre pioche, ce qui pourrait être vraiment très intéressant pour moi. En vrai de vrai, je pourrais gagner peut-être un peu de temps. Surtout, je pourrais même faire les gros cailloux. Donc là, ouh, là, on est bien. Mais c'est quoi ça? Visiter la caisse dans la boutique de Jill. Où est-ce qu'elle est sa boutique à elle? Zeki, Vendredi. Attends, déjà, c'est qui Jill? Au moins, je vais savoir directement c'est qui. Jill, c'est lui avec les cheveux bizarres. Ouais, il est pas là. Il est pas ici. Qui doit être potentiellement dans l'autre ville, je suppose. Venir en voir potentiellement dans l'autre ville juste après. Hein, voilà. On n'a pas trop le choix, donc bon, après tout, ben voilà quoi. Hein. On pourrait récupérer les fleurs au passage, paf paf paf, ça fait des chocs à pic. Faudrait que je m'en fasse aussi des fumigènes, parce que j'en ai plus. Je crois que j'ai appris le craft en plus. Donc, ouais, j'en ai quasiment plus. Je sais même pas si j'en ai. Ouais, j'en ai plus qu'une. Voilà. Ah non, j'en ai plus. Ouah, j'ai plus que 5 flèches. Il faut. Faut que j'arrête de les manger, mes flèches. Hein. Ou alors, faut que j'arrête aussi de les gâcher comme je fais. Ouais, c'est bien aussi. C'est bien. Alors, c'est pour vous dire, j'ai un peu la flemme, honnêtement, de lire le texte. Mais vous en faites pas, je comprends. La clé cassée. Qui je branle avec sa clé cassée à elle, moi.
La clé. Gina pense que la clé de la porte mystérieuse dans la montagne doit être ici quelque part. Cherchez la clé en extrayant de la pierre. Ok. Alles gut. Sortez. Bon, on va faire de la pierre, hein. Que veux-tu? Ouais, on va casser de la pierre. On va casser des cailloux alors. Il faut casser des cailloux pour avoir la clé magique. On va les casser ces cailloux magiques. Oh, ça fait déjà une demi-heure que je rec. Mais non, mais ça passe tellement vite. En fait, le jeu il est tellement absorbant que bah, tu vois pas le temps passer. Il y a des jeux où ça le fait, il y a des jeux où bah où ça le fait pas et c'est long. Et bon, il n'y a pas trop le choix quand ça le fait, bah ça le fait. Minerai d'argent, plutôt pas mal. Mais j'ai toujours pas récupéré. Sac les cassés. De la pierre. Du silex. On va continuer. On va casser quelques cailloux et tout. Et bah là, déjà, je vais faire ce caillou-là. Je vais faire le caillou qui est là. Qui est là-bas. Pas l'air d'en avoir d'autres. Le type pêche, de toute façon. Celui-là qui est là-bas. Ah non, c'est même pas un caillou, c'est un animal. Oh. Ok, d'accord. Par contre, là, c'est vraiment un caillou. Pif, pif, pif. Et bah non. Je croyais que j'allais obtenir la clé, mais bah non. Ah, la clé cassée. Très bien. Bon, ben moi qui voulais retourner à la maison pour aller faire des flèches. Bien, on va aller parler à Gina. Hein. Finalement, c'est bien aussi hein, d'aller lui parler. C'est bien aussi d'aller lui parler pour aller lui donner sa petite clé cassée. Hop, hop. Attendez, hein, Madame Gina, faut parler trop vite. Ouais, j'ai ta clé, rouillant. Ok, oh des champs lumineux. Oh, Psartek! Psartek! Bah là, j'ai plus qu'à aller dans ma maison. Mais pas sûr que je puisse y aller. Ouais, comme ça. Hop, elle est là. Voilà. Elle est pas à côté non plus. Hein. Vraiment. C'est pas la porte d'à côté. Hein. C'est dans la ville d'à côté. Ouh. Alors, il faut que je me fasse des flèches, des fumigènes. La nouvelle pioche et en vrai de vrai en vrai de vrai après on est good pour le moment ouais après on est Gucci hein, donc bah ouais. Ouais. Hop, allez, on va à la maison. Voilà. Et là, on y est bien. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y est, faites-lui une petite pioche. J'allais pas dire autre chose. Ne vous en faites pas, je suis pas un thug. Alors, trêve de modalité. Déjà la petite pioche, est-ce que je peux la faire? Non. Bah non, non, non. Non, je peux pas, je n'ai pas assez de matériaux. Là, il y en a trois. C'est très bien. Hop, on va les mettre les cailloux. C'est très bien. J'ai assez de matériaux pour faire la petite pioche. On est bien. Hop, 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 hop. On fait la petite pioche. Voilà. Alors, il me faut aussi des flèches et des fumigènes.
Je sais même pas comment on obtient des de l'argile. Je n'en ai pas la moindre idée. Alors, je vais voir déjà quel caillou je peux casser. Est-ce que je peux casser cela? Non, faut pas abuser. Faut pas abuser non plus, hein. Non. Ouais, on peut casser les cailloux normaux, quoi. Ouais, du silex, ok. On est bien. Ouais, on peut casser les cailloux normaux, quoi. Comme une pioche. Comme une pioche, quoi. Bah ouais. Je sais pas ce que je voulais casser d'autre, mais peut-être des bouches. Mais par contre, là, je comprends pas trop. Pourquoi ça m'augmente pas. Pourquoi ça me l'augmente pas le truc? Que là après j'ai lampe courte. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a des trucs. Ah, le métier à tisser. Ouh. Est-ce que j'ai appris le. Est-ce que je l'ai appris la céramique? C'est avec quoi qu'on fait ça? C'est pas avec de l'argile? Je sais même pas comment on obtient de l'argile. Comment on obtient de l'argile, j'en sais rien moi. Bon, c'est pas grave, je regarderai sur internet. Je sais pas comment on obtient de l'argile moi. J'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée en vrai. Non. En tout cas, je suis plutôt content de ce que ça donne. Et voilà, donc là, est-ce que ça a été vendu ce que j'ai fait? Oui, bien entendu. Pousse d'épices, en vrai, on peut le vendre. Ouh, là, il y en a 8. Ouh, là, on va être bien. On va en vendre 4. Les buissons, on va les garder. Ça, je peux les vendre. Bon, la pierre, on va quand même la garder. Hein. Ouais, on va en garder. Hop. Les tomates, on va un peu. Ah, ça, les champis lumineux, je vais les garder. Je vais pas les vendre. En vrai, le silex. Ouais, je vais tout vendre au pire du pire. Je les laisse là. Là, je peux le vendre. Ça aussi. Non, le minerai d'argent, mon ami, je ne te vends pas. Ça, on peut le vendre, voilà. Hop, comme ça, on fait vite fait du tri là-dedans. Et comme ça, on est au Gucci. Bon, bah voilà, au moins on est tranquille, on a bien avancé et tout. Mais voilà, en tout cas, moi, je vais arrêter là. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu commentes, tu likes et tu partages. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Scipion. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao tout le monde!